Et Yamina, c'est Maître Adrien, et on se retrouve pour la suite de Pokémon Épée et Bouclier. Toujours en compagnie, bien sûr, de Amiral. Salut tout le monde. Et nous allons voir passer cette fois-ci, donc on avait découvert la nouvelle ville. Alors pour moi, comme je disais, c'était une arène dragon, mais ça a l'air même pas... Enfin, il y a un stade, mais je sais même pas s'il y a une arène ici. Alors soit c'était la dragon, comme je disais. Alors soit pour moi, c'était les dragons, mais... Tu penses qu'il y a une arène? Bah pour moi, c'était dragon début, clairement. Donc je suis rentré. Pour moi, au début, je pensais dragon, mais dragon, je me suis dit, est-ce que ce serait pas la toute dernière pour nous casser les houilles? Et que là, ce serait peut-être autre chose. Je pense que ça sera ça. Je pense que ça sera ça, je pense que ça va faire exactement la même chose que l'autre, tu vois. Ouais. Devoir aller à un autre point pour faire le prochain badge. Mais en plus, qu'on n'a pas encore rencontré nos champions exclus, actuellement. Alors, t'es devant le gars, hein. Ouais, c'est bon, j'ai le texte, tu peux aller quand tu veux. Le stade de Kikoram n'est pas un simple stade, car on y trouve également un réacteur. Attends, je vais te montrer sur ma petite tablette ce que sera... et ce sera plus clair. Tu vois, c'est simple, expliqué comme ça. L'énergie est absorbée par la tour. Stade. La tour du stade. Puis on la transforme en électricité grâce à un réacteur au sous-sol pour alimenter tout Galar. Le mode de vie de notre société induit des besoins considérables en eau, gaz et électricité. Sans ces sources d'énergie, tout s'écroulerait. La mission de mon conglomérat est de trouver le moyen d'utiliser la puissance des étoiles vœux pour améliorer le quotidien de chacun. Ah, voilà que je me fais tirer les oreilles par Liv. Il est vrai que l'heure tourne et je dois aller travailler. Au fait, tu devrais aller voir la salle des reliques. Elle est à la sortie de la ville, juste avant la route 6. Donc devant, si on peut parler à la personne, c'est une arène ou pas? Est-ce qu'on tente de parler au mec devant au cas où? Ah, il faut c'est le dernier badge. Pour affronter Roy, le spécialiste du type dragon, il faut réunir cette badge. Ah, parce que j'avais peur d'appuyer que t'étais parti en disant que t'as skivé une scène de chacun de notre côté, c'était baisé. Bon bah, sors. Bon bah, direction donc la route 6. Allons-y. La route 6. En plus, on qui voyait. Est là-bas. Ouais, à gauche, et on voyait des topiqueurs sur la carte. Allez, vas-y, je prends le vélo. Bah, les steaks, c'est bon, je suis un rebelle. Ah bah, ça servait à rien. Il y a quelque chose. Bon, tu me dis quand t'as le texte. Ah hein. Vas-y. Driagan, ta collègue de badge avance bien. Mais dis-moi, je suis inquiet. Qu'est-ce qu'il a, Nabil? Quand il m'a vu, il s'est excusé et il a disparu. Mais pourquoi? Il a toujours eu horreur d'admettre qu'il était en tort ou qu'il avait fait des bêtises quand il est petit. Ça ne lui ressemble pas. Est-ce qu'il aurait un coup de déprime à cause d'une défaite? Ah, il a perdu face à Travis, hein. Il a pas perdu face à Travis, il s'est fait éclater. Il s'est fait niquer ça. Ok. Ok, je vois. C'est plutôt bon signe. Ça montre que les combats lui tiennent réellement à cœur. Il deviendra un grand dresseur, le petit frère, c'est clair. Bon, c'est pas tout, mais j'ai un rendez-vous avec le président de la ligue. J'ai pas vraiment envie de me faire crier dessus par son assistante à cause d'un retard. Donc je file. C'est par où déjà? Ah, d'ailleurs, puisque tu es là, tu devrais en profiter pour rencontrer Roy, mon meilleur ennemi. C'est lui le boss final du défi des arènes. Tu devrais le trouver dans la salle des reliques, près de l'entrée de la route 6. Ok. Bah ça tombe bien. C'est celui qui sont affrontés ouais au début du jeu. Ouais. Ouais. Donc là, il y avait la ça boutique. Ça tombe bien, c'est là où on doit aller. C'est ça. Sa boutique, ça c'est le café. Ok. Bon, comme vous avez vu, moi ma team a changé les amis, mais vous avez dû le voir avec les sprites. Hein. Enfin, voilà, avec la présentation des Pokémon, il y a eu un petit changement. Il y a des Pokémon qui sont restés, ça c'est sûr. Ah bah il est là. Ouais. Yeah. T'as aussi le texte? Ouais. Yo, t'es la dresseuse recommandée par Tarak, c'est ça? T'appelles comment déjà? Il est stylé, j'aime bien. Ah ouais, Adrien. J'avoue, si Tarak lui-même mise sur toi, c'est que tu dois plutôt avoir du potentiel. Mais si tu veux te frotter à moi, il va d'abord falloir que tu obtiennes les 7 autres badges.
Je ne suis pas venu pour combattre. Moi, je vais marquer ça. Hein. J'ai marqué quoi? Moi, j'ai marqué. Je ne suis pas venu pour combattre. Vu qu'à la base, c'était pour lui parler. Ah, du coup, t'es là pour admirer le contenu de la salle des reliques, je parie. Voilà, c'est ça que je voulais dire, pour ça. Poitasser l'histoire pour mieux piger les mystères qui entourent les Pokémon. Bonne idée. C'est quoi? J'étais à la bonne. Entre. Ok, allons-y. Ok, on a rien fait pour qu'on soit sa bonne, mais bon. Ouais, mais on va dire qu'on a, on l'a dans la poche, ça va, ça passe. Attends, je te donne ma carte pendant que j'y pense. Ouais. Yeah. Si tu veux voir la salle des reliques, c'est en haut des escaliers. Ok, bah allons-y. Montons. Montons pour voir, hein. Oh, il y a une capa. Ouais. Une CS. Ah oui. Ouais, ah, d'accord. Okay. Ouais, bah, vu que c'était... ça ne dérangeait pas qu'elle restait où elle était. Bon, bah on rentre, hein, on va voir ce qu'il y a. Ouais, t'es pas le seul, hein. Ah bah je m'en doutais qu'elle allait être là, c'est vrai qu'il y a envie d'y aller. Ah, tu es venu? Je suis contente de te voir. Trop bien cette salle des reliques. Regarde, cette tapisserie retrace toute l'histoire de Gala. Deux personnes contemplant une étoile bleue. Une calamité survient, les jeunes hommes ne savent pas quoi faire. Ils découvrent une épée et un bouclier capable de repousser la calamité. Les voilà sacrés souverains et couronnés. La naissance de Galar en image. C'est mieux que dans les vieux livres d'histoire barbant. Dis, y'a pas un truc qui te surprend là-dessus? Bah, c'est qu'à la fin, on dirait qu'ils ont envie de se pécho et qu'ils vont faire des bébés, non? Bah, je sais pas. Non. Je croyais qu'il y avait qu'un seul héros. Ouais, ouais, ça c'est ce que j'aurais marqué, mais c'est vrai qu'avant d'appuyer, je dis des conneries, moi. Pareil. Dans le hall de l'hôtel de Motorby, il y a une statue de héros. Il n'y a pas de doute. Il est seul. Mais sur la tapisserie, ils sont clairement deux. Que de mystère. Est-ce qu'il y avait un héros ou deux? Et c'était quoi cette nuit noire? Merci de m'avoir écouté. Ça m'a aidé à mettre de l'ordre dans mes idées. Je vais rester ici un moment. J'ai encore du travail si tu veux percer le secret de cette tapisserie. Mais Phil, je ne te retiens pas. Tu as des arènes à défier et des badges à récupérer. D'ailleurs, voici un petit quelque chose pour t'aider. D'accord. Bah merci Sonia, y'a rien dans la salle à récupérer, non, y'a rien qui brille. Ok, on peut se casser. Okay, ça okay. M'étonnerait pas que les deux personnes qu'on voit là... C'est nous? Non, c'est pas nous, mais... Ça se serait réincarné dans les Pokémon. Ah ouais. Mais c'est vrai, genre que moi ça m'a fait penser comme si ce serait nous le perso et que ce serait Nabil. Chacun aurait moi l'épée vu que j'ai épée et lui bouclier. Je sais pas, c'est le truc qui m'est venu à la tête, mais après peut-être que c'est pas ça. C'est possible. Bah moi j'ai le texte, tu l'as aussi? Ouais. La tapisserie de la salle des reliques représente des héros de Galar. Quand notre héros des temps modernes, c'est clairement Tarak. L'objectif ultime de tous les dresseurs, c'est de vaincre ce fameux héros. Mais toi, si tu veux avoir une chance d'arriver, il va falloir te secouer. Prends la route 6 et entraîne-toi. Prends ton voyage jusqu'à Hold the Shister. Ok, bah merci, hein, t'es stylé mec, hein, franchement. J'aime bien le look que t'as. Franchement, rien à dire. Hold the Shister. Hold the Shister. Allons-y. Ah, attends, d'ailleurs, tu vois le mec avec son sweat rouge? À l'intérieur? Non, tu sors de la salle des reliques et tu vas sur la gauche. Juste ouais. Avant le pont. T'as un gars avec un sweat rouge. Ah oui, oui, oui. Ouais, bah c'est lui qui donne la quête pour faire évoluer vers Pomme. Oh, ça je serais en vidéo ça. Ah oui, il me parle de vers Pomme. Bah merci, je ferai ça en vidéo. Comme ça, tu feras une capture de ton côté quand tu le feras pour vers Pomme. Ouais. Ou si tu l'as déjà fait pour autre. Et puis comme ça, je ferai une vidéo pour montrer. Comme ça, je ferai une vidéo pour montrer les deux évolutions. C'est nickel. C'est bueno. Rendez-vous à Hold the Shist. Ok, allons-y. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, j'utilise le vélo pour le pont parce que ça me saoule. Voilà. Ah, par contre, ah, j'ai un texte moi. Mais je suis juste devant là. Ok. Vas-y. Oh, il est trop choupi ce Dunaja. Moi, je l'aime bien ce Pokémon. Il y en a qui aiment pas, mais je l'aime bien. Regarde ses petits yeux, Goozy. Ah, il dort, ça se trouve. Oh, tu fais quoi là? T'essaies de le réveiller, Dunaja?
pas moyen qu'on te laisse passer. Bah vas-y, je te laisse lire si tu veux lire. Je vais pas le réveiller, votre Pokémon. Donc laissez-moi passer, ça suffit les bêtises. Oh, pardon, madame. Allez-y, je vous en prie. Ouais, d'accord. Et moi ? Ah, ah oui, c'est toi. Salut, amiral. Toi aussi, tu vas à Lucristen ? À Lucristen ? Yo, la team IL, vous faites quoi ? On voudrait passer. Dans vos rêves, vous êtes trop bruyants, les mômes. Ouais, dit-il le mec en hurlant déjà. Et aussi, ce Nudanja est allergique au bracelet de défi. Donc voilà. Ouais, si on vous laisse passer, ça va le perturber, ce pauvre petit choupidou. Ils vont le réveiller. Oui. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, amiral? Ils sont marrants, eux, mais on a opéré à Holcrister. Affrontons-les. Ah ouais, carrément, t'assures. Mais chut, allez parler plus loin, vous allez réveiller Dunaja. Les mômes d'aujourd'hui, je vous jure, y a plus de respect. On pas le choix. Pour protéger le sommeil de Dunaja, faut leur apprendre à se taire. C'est sérieux les mecs là? Oh, Nabil, il a l'air d'être moins excité. Il a l'air de s'être calmé depuis sa défaite. Ouais. Oh, c'est un contre 1, j'en voulais un 2 contre 2. Ah, je suis déçu. Eh, niveau 29. Oh purée, je suis choqué. Ah ouais, quand même. Je suis choqué dans le bon sens, franchement là. Un petit coup de flamèche. Bon, Pokémon est bientôt 35, logiquement. Enfin, va bientôt monter niveau pour up. Tu vas prendre riposte, la pyro? Non, je pense pas. Non, on va pas prendre riposte. Ah. Donc, le combat n'est pas terminé. J'ai pas vu qu'ils en avaient plusieurs. D'accord. Ah, il en a deux. Linéon. Bon, bah là, je garde pour mon double pied. Ah, ils ont des bons levels, hein. Eh, là, ouais, je suis pas honnêtement, déçu. Honnêtement, là, ça va. Ouais. C'est aussi parce qu'on a pas. On a moins. Moi, j'ai largement moins XP là. J'ai juste fait des captures. Vite fait. J'ai pas XP du tout. Ah ouais, moi, c'est léger. C'est parce que j'ai dû capturer. Voilà. Du coup, mon plus haut, c'est 33 quoi. Ah ouais. J'aime pas les gamines. Surtout celles qui gagnent en combat. Bon, moi, il y a des chances qu'il y ait une évolution. Donc, je vais la faire pendant que ça termine le combat ou autre. Enfin, je pense que j'en ai une. Si sur les sites ils sont pas trompés. Non, c'est 1400. Bon. Ok. Heureusement que les évolutions sont rapides, donc ça va. Ça va pas mettre 2 heures. Il s'appelle comment celui-là? Ah! D'accord. La pyro évolue en pyrobut. Ok. En alors, quoi? Pyrobut. Pyro est le mot but. Donc ça se voit que c'est un style ben voilà, qui tape dans la balle quoi. Puis de toute façon ça se voit quand tu vois ses attaques, c'est dans le même style. Il dribble avec des pierres pour en faire des ballons enflammés, avant de tirer sur ses adversaires pour les brûler. Est-ce qu'il a pris une attaque signature ou pas quand il évolue? Pyrobut va apprendre ballon brûlant. Oh, ça me plaît tout ça, ça me ouais, plaît. Donc de toute façon normalement il apprend ça, forcément ouais. Ça en attaque signature. Ballon brûlant, 120 dégâts. Ok, bon bah hein, je suis désolé mais c'est logique qu'on enlève flamèche hein. Quand même. Voilà. Parce que je voulais y apprendre lance-flamme que j'ai, mais je me suis dit à mon avis s'il évolue il a une attaque à signature. Donc on la testera, ça c'est sûr. Bon là je suis vers le texte, c'est bon. Non vas-y, j'ai lu. Ah, je te laisse faire Dryagan. T'as lu celui de Nabil aussi, t'as appuyé? Ouais ouais. Ok. Ah ouais non mais il y a juste. J'étais en train de faire ton évolution. Ah mais il y a un dernier. Ah oui je crois qu'il y avait pas de combat derrière. Je crois qu'il allait le faire quelque chose Nabil. En fait il est démotivé à mort lui. Putain. Ouais. Ah ouais non mais. Alors est-ce qu'on tente les amis l'attaque spéciale? Attends combien là de Pokémon? Elle en a qu'un seul. Allez on se fait un petit ballon brûlant.
Allez, on la teste. Oh, elle démonte sa mère. Oh putain. Allez, franchement, elle est magnifique. Simpliste, mais magnifique de taré. Bon bah, ça a été torché, hein. Un ballon brûlant, elle est morte d'un coup. Tu sais ce qui est vraiment relou. Bon, alors le texte, ça va être qui là cette fois-ci? Est-ce que c'est... Toi. Ah. Oh non, j'espère qu'on n'a pas réveillé Luna avec tout ce bruit. Même pas, il dort encore tranquillement. En fait, on sert grave à rien en fait. Non? Allez, on se tire. Eh, ils l'ont même pas réveillé, il dort toujours ce con. Vous êtes vraiment trop fort, toi et ton bleuzeil. Et moi, je suis juste bon à me faire rétamer par Travis. Enfin, je m'en fiche d'avoir perdu, c'est normal ça. Faut bien un perdant à chaque combat. Ah, il est carrément démotivé. Mais il m'a dit que je faisais pas honneur à mon frangin. Et j'arrive pas à me sortir ça de la tête. Si ça se trouve, il a raison. Et si c'était la honte pour mon frangin que son petit frère se batte publiquement avec un niveau aussi lamentable? Je sais pas, je sais plus. Faut que j'y réfléchisse. A plus, Amiral. Ah, il l'a mis à plus bas de terre, hein. Là... Ah bah. Mais t'as un souci, toi? Tu veux qu'on se fight? J'ai un ballon brûlant, ça te tente? Non. Non, tu veux pas. Ah, mais j'ai hâte de voir le tien, ce que ça va être. Ouais, vas-y, je te laisse le lire, celui-là, parce qu'il y a point d'exclamation. Tiens. Tu es l'un des challengers sponsorisés par Tarak, c'est bien ça? Ah, bon, d'accord. Ah oui, si on l'aurait su? Ouais, si j'aurais su, j'aurais fait une voix. Je suis Sally, voici ma carte de ligue, si tu veux en savoir plus sur moi. Ah, ça se trouve, c'est elle, la prochaine arène? Ah, je sais pas. Ça m'intéresserait de voir comment tu te bats à l'occasion. Oui. Alors, est-ce que c'est elle la prochaine à battre? Ça serait... Elle aimerait bien... Elle kifferait les directs toxiques de Palartichaud. Alors, je crois que mon Pokémon d'amour a le béguin pour l'un des tiens. Il est trop chou. Ah bah si tu veux. Puis on peut se donner un petit rendez-vous si t'as envie ici. Melofé. Ah bah quand je parlais de... Ton Melofé, il aime les tirs au but. Bah quoique toi t'es bon en défense physique, hein. Donc Il fait mal. Abusé. Juste un nitro charge la shoot. Oi. Non, ça va. Un Melodelph. Ah, par contre, ça va être un peu plus résistant que Melofé. Par contre, là. T'es bon dans la défense physique, mais je vais quand même tenter un nitro charge contre toi pour te. Je pense pas que je vais te one shot. On va tenter. Non, c'était impossible que je te one shot, sinon c'était pas normal. Métronome. Oula, il va me sortir un truc de pute. Bélier. Ah bah il lance bélier et en fait il s'est loupé. Ah bah c'est con. Bon bah voilà, hein, un nitro charge, t'es mort. Un up de niveau, mais ça sert à rien, on s'en fout. Les Pokémon sont vraiment très très forts. Ou que tu as, tu ne crains rien toi. Bon, on va regarder la carte vite fait avant. Par contre, je viens de voir qu'il y a un tout à fait, donc ce qui est très intéressant. Par contre, je voulais voir, attends. Old Shista. Ah, mais c'est juste à côté en fait. La route doit être petite alors. Donc là, on est à Old Shista. Ah, enfin, là, on voit qu'il y a des tout à fait. Donc, ce qui est très intéressant, s'il faudra que je farme les tout à fait pour avoir des. Un tout à fait avec une bonne. Shiny. Que ce soit shiny, que ce soit avec un bon talent. Parce que je sais pas qu'est-ce qu'il a comme talent lui. Oh non, mais Marakachi, arrête de me body block. C'est interdit, même dans Débat Daylight. Et même dans Pokémon, c'est interdit. De me body block. Ah! Arrêtez de me body block. Tous les Pokémon me passent dessus. Me body block, je te jure. C'est infâme. La dernière fois, c'était des chiens chidou ou des palins, des trucs tout bizarres là. Et là, c'est vous maintenant. Ah, là, c'est Marakachi qui voulait me body block. Ah, un triplicaire. Ah, par contre, il y a le mec.
J'ai vu un mec. Quoi avec... Qui c'est que t'as rencontré? Non, c'est juste que je suis encore contre le Lodelf. Et disons qu'elle m'a fait un métronome. Et elle a fait une attaque électrique. Sérieux? Disons que je m'attendais pas à l'avoir cette attaque. C'est laquelle que t'as reçue? Je suis pas sûr. Parce que j'ai appuyé rapidement. Mais je crois que c'est l'attaque signature de Zekrom. T'es sérieux? Je crois. Je suis pas sûr. S'ils ont laissé vraiment toutes les attaques de tous les Pokémon, ce serait abusé le métronome. Non, il y a des attaques qu'ils ont enlevées quand même. Il y a des craquenois et tout. Ah, il y a un double tag, on dirait. Ils sont deux. S'ils sont deux, c'est qui mon deuxième Pokémon? C'est un Léviator. Donc ça passe. Léviator, ça passe. Est-ce que j'ai une baie pour remplir des PV? Non. Ah, une baie qui remplit des PV. Ah, je peux pas utiliser une baie qui remplit des PV. Ah merde. Bon bah, je devrais me contenter de reste. Ah ouais, un double combat. Pour bien connaître les Pokémon, c'est important de participer à des combats. Oh, la musique de fond. Je suis médecin, c'est l'heure de l'auscultation. Je suis médecin, c'est l'heure de la picouse. C'est l'heure de la picouse dans le cucu. Togekiss. Oh, j'ai eu un bon... Ah, j'ai bien fait. Ah, il fait ses bruits quand il vole le Togekiss. T'as envie de le frapper. Alors, attends... On va faire un nitro charge pour voir de la rapidité sur Scalpion. Et une ébullition, je pense, sur Togekiss. Oh non, au secours. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, c'est juste qu'il y en a un qu'on voit pas du tout. Ah, et c'est qui t'es agressé? Qui t'a agressé? Ah, c'est personne qui m'a agressé, c'est juste qu'il y en a un qui est juste derrière un Pandarbar et du coup on le voit pas. Scalpion, on le voit pas. Ah d'accord. Oh, pouvoir antique. Non, ça fait rien. Ah bah sur Pyrobut, t'inquiète pas que si, ça a senti. Ouais, mais l'attaque que j'ai faite sur... Voilà, c'est pas fait, pas ça fait pas mal ma chouille, mais au moins ça te met KO. Ah, dès qu'un Pokémon est blessé, je ne peux pas m'empêcher de me ruer à son secours. Les forces des Pokémon me fascinent. J'aimerais tellement percer le mystère. Voilà. Bah, c'est ton regard qui m'a percé. Alors. Oh putain, y a quelqu'un qui est là. Il me fait agresser par un coupe-note. La coupe-note. La coupe-note. Attendez. La coupe-note. Attendez, j'éloigne le micro. La coupe-note. Voilà, c'est bon, maintenant on peut reprendre. Ouf. Je t'ai pas entendu hein, gueuler. Hein. Ah. Un coupe-note. Donc ça va alors. Oui, sa mère la flûte, un coupe-note. J'en reviens pas. Alors tu sais quoi, je vais prendre un Pokémon que je m'en bats les couilles. Qui prennent un peu de dégâts contre le coupe-note à capturer. Parce que je veux... Ouais, ça peut être bien. En cas où s'il a un bon talent. Juste pour le talent, pour voir ce qu'il peut avoir. Un coupe-note. Mais un coupe-note. Celui que j'ai capturé en raid, il a... Rivalité. Rivalité. Ok, bah faudra que je vois ici là, celui-là. On va faire un coup d'acide. Oh, il est dans le rouge. Instant. Le Zayulipicor. Oh, mais il fait horriblement mal avec sa double baffe. Donc on va mettre un Bleuzeil. Ah non, il a fait trop mal. Normalement, Bleuzeil, double baffe, ça devrait pas me faire mal, je pense. Ah, il utilise Dansdraco. Non, mais continue aussi, non? Non, mais c'est bon, ta mère t'a pas appris les bonnes manières. Ta mère a pas appris les... son attaque. Sa petite attaque et son petit sa petite vitesse là.
Donc ça veut dire que celui-là, si je capture, il a dans Zrako, quoi. Capturé. Donc on va regarder, vu, on va regarder le talent qu'ils ont, les deux, là, qu'on a. Donc celui qui a été changé par Amiral et celui qui est capturé. Là, je peux pas le voir de suite, hein. Donc, mettre dans le PC. Voilà. Ah, ouais, mais je suis happy du coupe-note. Je suis... Ça fait le deuxième, et là, c'est très bon. On va dans la boîte à PC. Alors, celui que j'ai capturé. Niveau 30, ok. Il a rivalité. Donc les deux ont rivalité. Ok. C'est pas ouf, rivalité. Non, c'est pour ça, donc j'en recarturerai d'autres s'il faut. Donc on va remettre toi en premier. Vu que vous avez l'air d'avoir des Pokémon solde qui me cassent les houilles, est-ce que je mettrais pas Léviator? Ah, je sais pas. Attends, il y a un escalier. Oh, il y a des escaliers à monter. Oh, mais c'est long. C'est long, mais c'est bon. Bah, attends, on va monter. On va monter pour voir si c'est pas un. Ok, là où je vais, ce n'est pas le passage à passer. Je vois Holchester. Par contre, mais c'est pas le bon passage, donc c'est nickel. Enfin, quoique. Je crois que j'ai pris le bon passage. Je sais pas, moi je suis encore en train de faire un petit combat là. Ah, je ne veux pas briller que sous les projecteurs, mais aussi en combat Pokémon. Bah j'ai match, j'ai le dernier combat que j'ai fait, c'est avec les deux médecins. Donc, Là je suis en train de faire un combat contre une nana là, avec un Caraclé. Ah moi il a Rapion, elle a Rapion le premier. Rapion que j'ai capturé dernièrement, que j'adore Drascore. Par contre, avec ces petits pièges de poison là, que c'est jouissif. Alors, Scalpion. Donc ça, on s'en fout du Scalpion. Il va se prendre un high kick du Nitro Charge dans sa gueule. Putain, je le sens passer celui-là. Je vais pas faire un tir au but. J'attends d'avoir un bon Pokémon en face pour lui faire encore l'attaque spéciale. L'attaque signature du Pokémon. J'ai peut-être perdu ma dignité, mais mon Pokémon, lui, garde la tête haute. Ouais, mais toi, t'as plus de dignité. Chais. Alors, par contre, j'ai pris le mauvais passage. Il faut passer à gauche. Ouais, si tu vois une meuf avec... J'ai un fossile poisson. Ah. Bah, Croustibat, tu peux te battre. Que je viens de choper, comme ça. Ah, je sais quelle arène ça sera les prochains. C'est le fait? Non. Pour toi, c'est combat. Ah, en plus, j'en parlais, j'ai vu, on les a pas affrontés encore nos. On va faire l'attaque spéciale ballon brûlant. Admirez-moi ça, les amis. Et c'est le but! Paf! Et c'est quasi le one shot. Ah, bah, c'est normal, j'ai pas one shot, car Caraclé a fermeté. Ah, et mes coups de balayette, il nique ma mère. Ah là. Enfin, il m'a mis un bon coup de balayette, hein. Heureusement que j'y reste. Bon, bah, vu que là, à mon avis, tu vas mourir d'un coup, donc une vive attaque, hein. Tu l'as chopé, il est en. Le coupe-note, si tu veux savoir, on le voit à l'état. Pas point d'exclamation. Ok, d'accord. Moi, ouais, c'est vers la randonneuse qui avait le caraclé. C'est là où je l'ai vu. Non, il est pas en point d'exclamation, tu le vois. Alors. La CT, c'est quoi? Tunnel, donc sympa. Nice. Alors. À force de jouer sur les campements de tes Pokémon, finiront par avoir un petit creux. Dans ce cas, cuisine leur un petit curry dégusté avec eux, ils seront ravis. C'est vrai que ça leur remplit les vies, ça pourrait être pas mal que j'y pense à le faire. Bonjour, je suis Alba. Alba. Mince alors. J'étudie les fossiles. Alors je sais pas pourquoi, mais on trouve que la moitié des fossiles à Gala, que des moitiés fossiles, partie supérieure et partie inférieure. Mais ce qui est fou, c'est qu'on peut quand même les reconstituer en les combinant. C'est peut-être la clé pour expliquer le mystère des Pokémon qui fusionnent entre eux. Et d'accord, ouais, donc tu mets le vertex. Est-ce que si j'appuie à ta machine, ça fait quelque chose? Non, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas la moitié. On n'a pas deux trucs qui se combinent. Ok. Donc il leur faut deux. Ok. Ouais, ouais. D'où pourquoi ils ont des corps. Honnêtement, bizarres. Torgamon, je le préfère en shiny. Ouais, et t'as vu ce que j'ai rajouté alors pour l'épisode? Ouais, j'ai vu les sprites shiny. Ouais. Ouais.
Ah mais c'était obligé. Alors donc on va descendre l'échelle parce que je crois que j'ai vu qu'il y avait quelque chose en bas de l'échelle. On va descendre. Bah de toute façon on fouille tout hein. S'il y a des CT ou s'il y a quoi que ce soit. Non c'est pas une CT, c'est un objet. Ouais. Ah le saloperie. Ah il y a une dresseuse ici. Bon on va l'affronter. Comme ça au moins c'est fait. Je trouve que là t'es avec Arakli, peut-être que lui il a l'autre. Judo crack. Voilà, je m'en doutais. Obligé. Toi je parie que t'as un enfoiré, que t'as aussi la fermeté à la con. Donc on va faire nitro charge, on va pas s'emmerder à se casser le huc. Allez. Ça, imaginons t'avais fermeté, bah tu l'as plus maintenant. Vu que je t'ai déjà enlevé des vies. Yamahalashi. Oh ça fait mal Yamahalashi. Ah coup critique. Il me disait bien. Bah pour admirer la beauté on va se refaire encore un... On va se refaire un ballon brûlant. Oh j'ai la dalle. Ah d'accord. Pourquoi t'es en train de préparer en même temps des trucs pour tes Pokémon c'est ça? Non. Ok. Mais... J'ai mon ventre qui me dit... Va bouffer. Peut-être temps d'aller, d'aller manger dans pas longtemps. Hein. Ah bah il y a une CT. Oh ouais d'accord. Ouais. Oh putain je sens qu'il va être chiant ce combat là. Contre lequel? Judo crack. Oh ça va encore. C'est qui ça? Un Skelenox sauvage. Donc ici au moins c'est les amis qui découpent notes à pouvoir farmer. Ouais. Et tenter d'essayer de l'avoir en shiny. En butant plein de... De ses congénères. Alors l'objet à récupérer quand on descend, ça va être quoi? Allez on descend. Ah descend! Descend! Voilà merci. Hop, ici on peut même farmer plein de tout à fait shiny. Oh l'objet est un super bonbon. On peut faire tout à fait ici. Ah ouais, largement. Alors, on a la prio. Voilà, maintenant on va se barrer d'ici. Et on va commencer à monter en face de la ville. Allez, Badimbouan évolue au prochain niveau. Oh bien, ça c'est ce qu'on veut ça, tu vois. C'est un dresseur ici? Nickel. Le Pokémon s'affronte au cours d'un combat acharné, je vois d'ici le tableau. Oh la tête de psychopathe que t'as. Ah ouais il me fait peur. Ah il est... Envoyé qui? Il envoie Smogo, non mais ce qui fait peur c'est la tronche du mec. Ah quand tu vas le voir, il est devant la ville, enfin sur le passage d'y aller. Ah bah, il a en plus la compétence gaz inhibiteur. Et bon, on va te faire un ballon brûlant, mon poteau. J'espère que t'es chaud. Hein. Parce que là... Ah, d'accord. C'est toi qui sais. Okay. Tu l'as affronté? Non, mais... Il y avait un Pokémon dans les hautes herbes, j'arrivais pas à distinguer qui c'était. Mais c'est bon, j'arrive à le distinguer. C'était Trio Picker. Ah, d'accord. C'est... C'est pas mal, ça, comme c'était. Le truc d'acier là? Ouais. Ouais, j'avoue que c'est. Mais vu bien. Que. Qu'il évolue en Pokémon acier, je pense que. Oui, ça peut être bien. Ouais. On va mettre un coup de Léviator quand même. T'es celui qui part vers la ville, c'est ça? Ouais, celui qui a son truc dans les mains, tout bizarre. Allez, un petit coup d'hydroqueux. Ah, éboulement, bien joué. Éboulement contre Léviator, oui, c'est très bon même. Rien à dire là-dessus. Puis Bleuzaï, il peut se faire plaisir, Bleuzaï, dans l'arène de combat pour moi. Oh! Il va se faire plaisir, moi. Alors là, je vais me faire plaisir. Léviator veut apprendre Danse Draco. Vous intéresse-t-il? Non. Ouais, on va mettre non. Moi je déconne.
Lui faut prendre dans un coup, oui. Ah, là, maintenant. Le Danzraco, tu vas le sentir passer, mon petit mec, dans l'arène. Bah, quoique là, dans l'arène combat, je vais pas te mettre, donc c'est vrai que non. Tu vas pas sentir passer. De quoi, qui c'est que tu vas pas mettre? Léviator. Oh. Voilà, l'arène combat, je m'en bats un peu les secs, tu vois. Bon, bah, je vais t'attendre, je suis arrivé dans la ville. Bon, y a pas de texte, hein. On voit juste Nabil devant les escaliers. Donc, pour l'instant, y a pas de texte à lancer. J'arrive. Et on voit un point avec un combat dessus. Et voilà, c'est là que je regrette de pas avoir bouclier. J'aurais voulu le spectre, je suis dégoûté. Et c'est là que je suis dégoûté de pas avoir épée. J'aurais voulu combat. J'avoue. La bleuseille, y'a peut-être moyen que... t'évolues peut-être au prochain épisode si on te met full arène que de compte les dresseurs combat. Tu vas gagner d'XP comme un barbare, donc... Pire au but, tu vas dégager. En priorité, tu t'enlèves. Je te dis clairement... Toi, je te joue pas en priorité. Puis contre les arènes Allez. Combat, t'es pas le... Il a été attrapé. T'es pas le must contre l'arène combat. Je vais te dire ça. Je suis désolé, hein, mais t'es pas le must, donc tu vas virer de la team. Tu vas virer dans... Donc la question que je suis en train de me poser, c'est est-ce que Coupe-Note, je le mets dans mon équipe ou non? Ouh, ça va être intéressant, ça. C'est à toi. C'est à toi de décider de ce côté-là. Ouais, je vais décider. De toute façon, à mon avis, Oh. Vu qu'il sort comme ça, je ne suis pas à l'abri de vouloir le prendre un shiny. C'est clair. Veux-tu prendre une bonne affaire? C'est une peau en métal. Bah, bien sûr. Ah, lui là, celui qui a... Qui a son truc dans les mains là. C'est lui qui me parlait. C'est une espèce de statue. Ouais. T'es à lui là? Ouais. Ok. Moi je visite vite fait la ville, hein. Je vais pas parler à l'autre. Hein. Sinon ça va activer la scène. Ah, alors, c'est un sculpteur. Ok, d'accord. Une tête de psychopathe. Enfin, l'artiste. Ah, c'est un artiste. La bonne affaire d'aujourd'hui, c'est... Un bec pointu, je m'en fous. Donc les amis, pour l'instant, voilà la team Kia. Bon là, c'est Bleuzey qui va faire le taf, hein, pendant cette prochaine arène, hein, qui va monter bien de niveau. Donc ouais, c'est très bon. Ah, par contre, je sais pas combien, quel niveau il évolue. Il est quand même bon niveau le mien, et pour l'instant il évolue pas. Donc on verra au prochain épisode. 36. Ouais, il évolue dans deux niveaux. Ah, il évolue de 38. Ouais. Bah logiquement, l'arène combat va aller bien l'aider, déjà. Honnêtement, ouais. Donc c'est vrai que ça m'avantage juste pour ça, pour avoir le Corvaeus assez rapidement. Mais sincèrement, le Alistair, le champion, est juste badass de taré. Ah. Changer. Vous auriez pu mettre l'option changer de champion avec une épée bouclier. J'aurais bien voulu affronter Alistair, clairement. Oh putain. Ah, moi j'aurais préféré affronter... Pour l'XP ou rien que pour le champion lui-même? Pour le champion lui-même. Ouais, bah comme moi. Hein. Pour la championne elle-même... Je la trouve vachement plus stylée que Alistair. Ouais. Alistair, on dirait qu'il est possédé. Je te jure. Non, Alistair, je sais pas ce qui me fait penser, mais il a volé un masque dans Zelda. Ouais, qu'il a volé un masque dans Zelda, ou alors qu'il dans Majora. Qui se prend pour Obito dans Naruto. Ah. C'est vrai qu'actuellement je dirais plus la première, mais après c'est vrai que quand... Alors, sachant qu'on a en plus deux champions différents, donc chacun de notre côté on lira les textes. Il y en a un qui commencera avant l'autre et l'autre lira le reste et puis voilà. Je pense qu'à mon avis ils ont pas fait un truc... Avec le même texte, ce qui m'étonnerait. C'est possible qu'ils disent la même chose. Ouais, mais c'est vrai, j'avoue, dans les deux cas ce serait un peu débile. C'est pour ça, j'espère qu'ils ont vraiment fait des textes différents. Clairement là... Alors les amis, je vais vous montrer, le temps qu'il termine, les boîtes que j'ai. Je termine le combat. Vas-y, je vais vous montrer les boîtes. Il faut que j'aille à... Alors regardez à peu près les boîtes, je vous montre. Donc dernièrement, ce que j'ai capturé, donc j'ai eu droit à un... Oh, donc ça, vous le voyez depuis tout à l'heure, donc le Grimalin. Un Monsieur Mime de Galar, qui est pas mal.
J'ai un Sonistrel, Rapion. J'ai pu avoir Cryptero. Donc au moins. En nouveauté, j'ai eu Dunakunda. Ensuite, en nouveauté, bah, celui-là vous l'avez vu en vidéo, donc le canard, le palartichot. Ça, il n'y a pas de surprise. La théière que j'ai en deux fois. Non, sinon, il n'y a pas d'autres nouveautés. Il y en a que vous voyez dans ma team. D'autres que vous voyez en dehors. Donc celui-là, vous l'avez déjà vu, le tout à fait. Donc oui, je l'avais déjà montré. Donc voilà. Et le coupe-note que vous avez pu voir. Et Mesmerella. Qui aurait pu servir largement contre le type combat, mais je vais pas la mettre. Mais voilà. Clairement. Je préfère attaquer avec un. On peut aller rechercher nos Pokémon qui étaient en Poké Service. Ah, c'est en plus c'est ça que je voulais faire avant d'aller dans la boîte. Bah comme ça je les prends et on va pouoir se laisser là. Ah, c'est eux que excellent je voulais... travail. C'était du travail de chef. C'était de l'excellent travail. Ils ont réussi énormément de points d'XP. Putain, 2750. Pas mal. Ouais. Ah ouais, 6456 XP. Lesquels? Insectes, normal. Insectes. Ah, attends. Les insectes viennent de revenir. Ah ouais, ça donne masse d'XP. Ah oui. Putain. Ah, c'est trop bien. Donc moi, c'est normal maintenant, Moumouton et tout et le reste. Hein. Normal. Miaousp, Poichijon et... Ronc Gourmand. Bah moi, ils ont gagné 1261. Ça se trouve, c'est peut-être... Ouais, donc c'est les mêmes XP, c'est juste que ça dépend de la mission. Ok, ouais. Bon bah voilà. Hop. Olé, bon. Olé. Moi, j'ai guéri mes Pokémon ou pas avant qu'on se laisse et tout, tranquillou, tranquillou. Ouais, c'est bon. Bon. Les amis, on va se laisser là. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou à vous abonner. Et puis on se dit à très bientôt et à la prochaine donc pour notre quatrième badge avec nos champions exclusifs à épée et bouclier. Allez, ciao ciao tout le monde. Ciao ciao.